Salutations à toi, jeune aventurier de l'internet moderne qui aura fait le choix de découvrir cette vidéo. Alors c'est parti aujourd'hui, là on va découvrir le jeu Shoot. Ah bah voilà, comme toujours, ma petite jaquette elle est à l'envers mais c'est pas grave. Donc le jeu Shoot. Alors c'est pas vraiment un jeu, c'est une compile. Et c'est pas n'importe quelle compile, ça nous vient de chez Phoenix. Voilà, Phoenix. Phoenix, bah, je sais plus si c'était pas des Suédois, des Néerlandais, je sais plus où ils étaient. Bref, donc c'est un studio qui, je pense, ils avaient mis la main sur un kit de développement. Et un ou plusieurs, c'est du recyclage, ils ont dû racheter ça à pas cher. Et du coup, ils ont, je sais pas où, ils ont réussi à mettre au point un moteur graphique et ils l'ont ressorti à toutes les sauces. Et donc à toutes les sauces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez... C'est pas... Voilà, c'est pas un jeu, Shoot. C'est une compile. C'est une compile. Vous avez Wild West, War Drones, Space Rebellion, G-Squad. Ça, on dirait un... C'est drôle, G-Squad. C'est pas le nom d'un boys band. EF-22, Ace et Air Rescue. Alors, Ace est sorti tout seul, en jeu à part. Il s'appelle Jet Ace. Et après les autres, je suppose que pareil, ça va être la même chose. Donc c'est ça, ce sont 7 jeux de tir. Et... c'est parti. Donc je sais plus si c'est une exclue allemande, parce qu'on a le petit logo allemand en bas. On a le jeu en anglais et manuel en français. Ah bah voilà autre chose. On est reparti. Alors désolé, voilà, j'ai été un peu coupé. Et ben on est reparti. Bon, bah je sais plus où j'en étais. Bref, voilà, je raconte des conneries. Donc ben ce shoot, et ben c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très beau. Ah, on va commencer par le Wild West. D'ailleurs, dans le menu, les jeux sont pas dans le même ordre. Parce que le Wild West est le numéro 7 sur la jaquette arrière. Donc le, cherchez pas. Hein. Il y en a. Un peut-être, il y avait un truc de vaisseau qui n'était pas trop mal, on se demande ce qu'il fait là, mais c'était un mix entre, je sais pas, c'était Phoenix, Midas, enfin, oui parce qu'ils sont quand même, ils sont aussi bons l'un que l'autre. Donc le manuel utilisateur, il y a tout plein de langues dedans, voilà c'est un truc pour l'Europe, il y a 5 langues dedans, donc classique, là il y a Wild West, War Drones, vous avez les commandes pour chaque jeu. Bonus, patati patata. Donc c'est des jeux très simples. High score, main menu. Il n'y a pas la possibilité de sauvegarder, ça vous donne le niveau du truc quoi. On est sur la fin de vie de la console, on est au 4176. D'ailleurs, au passage, je remercie, j'espère que ça tourne toujours, hein, je remercie Patrick, voilà Patrick qui m'a offert ce jeu, parce que je l'avais déjà, on me l'avait déjà offert, mais sous blister. Alors, sous blister, je l'ouvre pas, hein, c'est une pépite de la PlayStation. Donc on y va, j'arrête de papoter et je lance ce jeu. Voilà. En plus, j'ai pas... Donc il faut bien imaginer que c'est... Hop là, bim, bim. Je sais pas si je dois recharger un moment, même pas. Hop là. Et c'est que ça. C'est Time Crisis, mais version... Oh punaise. Ouf. Oh, je me suis fait jeter. Bon. C'est Time Crisis version à la manette. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de jouer avec une manette standard. Ah ouais, déjà. Mais comment on sait qu'on se fait toucher ou pas? Là, il y a un missile, on voit les missiles arriver à tête chercheuse. Alors je vous laisse imaginer, hein, ça c'était le genre de jeu que la mamie achetait pour ses petits-enfants. Et le pauvre gamin qui... C'est que ça le rond, mais par terre. Le gamin qui découvre ça, qui... Oh mamie, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je Parce que il y en a qui ont été traumatisés de la PS1 quoi. Ah, la PS1 c'était nul. C'était nul à chier, j'ai eu shoot, qu'est-ce que c'était moche. Oh purée. Ah ouais, il y a un big boss là. Hop là. Allez, 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 on y va. Voilà, bon, bah. Donc c'est le jeu Shoot. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ouh, mitraillé. Ah mais non, mais... Mais non... Et vous pensez que je vais faire level 1 combien de fois, là, comme ça? Et donc c'est tout, hein, ça bouge pas plus loin que ça. Ah mais non, game over. Oh, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé continuer à jouer à ce jeu trépidant. Voici donc War Drones, qui à mon avis doit reprendre le même moteur graphique qu'un autre jeu qui doit être dans la compile. En fait c'est eux qui ont fait les All Star Action, vous avez genre le même circuit, avec 5 véhicules qui sont les mêmes, vous avez juste un truc qui change. Oh putain, le truc. Dans ces jeux-là, vous avez un Doom-like, vous avez... Ah bah voilà. Et bah voilà. Donc ça, c'est le War Drones. Vous avez donc... Ah oui, c'est inversé. Et je peux... Non, je peux pas. Missile. Missile, ça veut dire qu'il faut que j'attrape ou... Donc War Drones, ça reprend le même moteur graphique que... Allez, ça je le prends. Fuel, ah oui. Ah, ben, je l'ai raté. Quoi, il y a un missile. Que Jet Ace, ou Ace, le jeu qui va arriver un petit peu après. Je vais essayer de vous le mettre juste après. Fuel, 500 points, ok. Mais c'est... Oui, oui, oui. Missile. Ah ouais, cool, on peut rester appuyé. Il y a l'auto-fire. Bullets. Ah, d'accord, je suis limité en bullets. Alors en fait ce qui est drôle avec le Jet Ace, je me souviens la première fois où je l'avais testé. Mais tu me le sens pas dessus, hein. Le Jet Ace, je me souviens. En fait, si vous prenez le Jet Ace comme ça sans rien dire à personne, c'est un jeu d'avion. Je vous dites rien à personne. Ah, que je dois être mort. Ah oui, bah, j'ai plus de fuel. Oh, c'est dommage. Ah non, ça recommence. Jet Ace, c'est la même chose que ça. Et si vous prenez le jeu, vous ne dites rien à personne, il va avoir l'impression de jouer à Air Combat. C'est juste un peu plus vide, mais sinon, graphiquement, voilà, ce qui fait qu'on aime bien Air Combat ou Ace Combat. Je tire, mais... Ils sont dans les cibles. Ah ouais, voilà. Fuel, prends du fuel. Les ronds, ils sont impossibles à avoir. Vas-y. Mission complete. Donc voilà, donc en gros, ce jeu-là, vous le prenez en cours de route, personne ne vous dit rien, dites ouais, c'est pas si mal que ça, voilà, bon bah, on n'est pas pire que n'importe quel autre truc. Hein. Oh. Ça pète un peu de partout. Ah, tu l'as pas eu là? Oh. C'est inversé en fait, vous savez, le haut et le bas ils sont inversés. Je suis mouru. Comment ça, je suis mouru? Comment je fais pour savoir? Missile, j'en ai 20, bullet, j'en ai 999. Donc limite, allez, limite, ce serait une démo faite sur un week-end, pendant une jam, on pourrait être sympa, ça serait même très sympa. Sauf que là, c'est des vrais jeux qui ont été vendus dans le commerce, hein, quand même, hein, faut le savoir. Ah, c'est des jeux qui étaient vendus pas cher, quand même. Hein. Allez, allez, alors, ici, le fuel, vas-y, vas-y. Voilà. Ah mais vas-y. Il me reste combien de missiles? 11. Allez, allez, on y retourne. On y croit là. Vas-y. Fuel. Est-ce que j'ai eu quelque chose là? Non, mais ça je vous ai pas eu. Fuel, fuel, je suis plein là, je suis full. Fuel. Voilà, j'ai eu les missiles. Cool, voilà, je bois une mitrailleuse. Wow, oh non, bah, j'en sais rien, je m'en prends. Donc, Mission 2. Je sais pas combien de... Ah bah, j'ai ma dernière vie, allez. Ça fait des ans, hein, parce que ce jeu-là, vous le reverrez pas de sitôt. Et là, tout le monde fait... Oh... Ah. Oh. On dit au revoir à... Drone, j'ai déjà oublié le nom. War Drones, voilà. Nous retournons donc au menu principal. Ah bah on en a pour notre argent, on a quand même 7 jeux de shoot. Je le précise, je le rappelle. Alors, War Drones, je vous ai dit que ça ressemblait à Jet Ace. Alors on est parti. On aura peut-être des surprises avec d'autres. Hein. Mais en gros, Jet Ace, ben... Alors là, il y a un bonhomme qui tire, mais c'est pas ça, Ace. Ah, ou alors j'ai confondu avec autre chose. Pourtant, il est dedans. Je le vois dedans. Ah, ou alors ils l'ont appelé autrement. Ils l'ont peut-être appelé autrement, ils l'ont peut-être appelé... Ah bah, ah bah. Alors là, nous allons jouer à Ace, qui est donc un jeu de tir totalement futuriste, où vous avez un mec en noir... il est dans le futur là, c'est sûr. C'est limite Judge Dredd. C'est un presque Judge Dredd. Et c'est pas du tout pareil que le jeu de tout à l'heure où on était dans le Far West. C'est pas du tout le même quoi. C'est ça qui... Pas le même. Les flingues sont pas les mêmes. Les méchants sont pas les mêmes. Ah d'accord, les petits ronds ça veut dire c'est là où je vais me faire toucher. Là où faut pas que j'aille. Ok, on les voit les petits ronds, c'est là où je vais me faire toucher. D'accord, ok. Ça va. Ah. Oh, c'est dommage. Ah, est-ce que je peux quitter, genre... Je peux pas quitter, je crois que je peux pas quitter. Non, je peux pas quitter. Je peux pas quitter le jeu. Bouge. Je crois que je peux pas bouger pendant que je tire. Ah c'est ça, je peux pas bouger pendant que je tire. Ah ah. Alors c'est pas injouable, c'est juste que c'est totalement sans intérêt quoi. Et non tout est là, hein, les bruitages sont là, ça fait pas entendre. Attention, fusil. Hop. Est-ce que je vais arriver au niveau 2? Bah ouais, niveau 2. Donc ça s'appelle Ace. Oh bah une affiche bizarre. Il y a une photo. Oh, oh, je suis mort. Je suis mouru. Allez. Est-ce qu'on arrête le calvaire maintenant ou... Stop ou encore, envoyez 3333 au 10 12. Ah, fusil à pompe. You got to pump it up. You got to pump it up. Game over. Oh. Zut. Euro. Hey, 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 hey. Comment on fait pour valider? Ah. And doucement. And voilà. Et bah c'est bien ça. Donc en fait non, Ace c'est le même que... C'est chiant, ils sont pas marqués dans le bonhomme sur la jaquette arrière. Bien. Donc Ace c'est le même que Wild West. Alors je suppose que EF-22, ils sont pas dans l'ordre en plus, donc je saurais pas dire. Alors on a fait Wild West, on a fait War Drones, on n'a pas fait Space Rebellion. Qu'est-ce que Space Rebellion ? Rien du tout. Moi je vois rien sur la télé, d'accord. Un supercopter. Oh, mais ce serait pas le même que tout à l'heure. Mais non, c'est pas le même. Celui-ci s'appelle Space je sais pas quoi. Et on commence direct dans le niveau 2 du jeu d'avant. c'est beau. Celui qui s'appelait... c'était quoi? En fait, ils auraient pu mettre tout dans le même jeu. Mais non. Voilà. Ah, il y a un missile. En plus, c'est le même bruitage de tir hein, que sur l'autre. Je peux pas aller à droite. En fait, c'est un faux semblant. Et limite comme Starblade Alpha où vous pouvez pas vraiment aller où vous voulez, c'est juste vous déplacer le curseur. Est-ce que c'est comparable à Panzer Dragoon? Oh mon dieu. Oh, je suis mort. J'ai 3 vies. Je pense qu'on va abréger la souffrance avec ce jeu. Pas, encore une fois, c'est pas plus nul qu'un jeu de flipper. Hein, à la limite, il y a des shoot'em up qui sont plus sympas, quoi. Voilà. Mais tout est en 3D. Ouais. Un bel effort. Refaire un jeu comme ça aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on saurait faire. Il faudrait les bons outils. Parce que la PS1, au final, elle a comment dire? Aujourd'hui, on vient dire... Oh, salut, c'est parti. La PS4, aujourd'hui, on dit c'est un... C'est un PC, enfin les consoles elles sont sur une architecture PC, mais alors, la PS1 elle était peut-être bien pensée, ceci, cela, pour en finir. Le truc c'est que avant avec la Mega Drive et la Super Nintendo c'était assemblé, c'était les jeux étaient créés en assembleur. Alors, si je ne me trompe pas, c'est que c'était des bouts de des paquets ou je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça, mais la différence avec la PS1 c'est que d'un seul coup il a fallu des gens un peu plus calés en technique, je sais pas trop comment le dire, mais le gars au fond de son garage pouvait plus trop développer son petit jeu sur PS1. C'est devenu un peu plus compliqué que ça. Et c'était programmé en C++, en C, langage C. Donc ça a été aussi un peu une révolution de ce côté-là pour les programmeurs. Et donc, les programmeurs, c'est ce qu'ils disaient, c'est que... Qu'est-ce que je fais là, moi? Je peux avancer? Je peux monter, je peux descendre... Ah, je peux strapper à droite? Pourquoi ça vise pas là où j'ai mon viseur? Ah ouais, ok. Oh, la vache. Celui-là, il est compliqué. Tiens, oh là là. Ouais, donc je disais, ben... Je peux pas m'auto détruire, là. J'ai combien de vie? Voilà, donc je disais que la PS1, elle avait une approche différente dans sa manière de fabriquer les jeux. Et donc, c'était en quelque sorte déjà... Bim, c'est quoi ça? Tic-tic. Le changement d'air de façon de fabriquer les jeux. Comme on y est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, hein, je dis pas de bêtises, on est dans le système où les jeux sont programmés dans un certain langage. C'est fini? C'est quoi? Un drôle de... Ah, mission 2. Ok. C'est space, hein? Oh, on peut changer d'arme. On voit pas grand chose, hein, c'est... En gros, le curseur il se déplace. Quand je vais à gauche, à droite... Et si je bouge pas, là, il me tue le robot. Raté. Allez, tire-moi dessus là, qu'on en finisse, parce que... Vous voyez le délire, c'est que... Allez, vas-y, tire-moi dessus. Qu'on en finisse, vas-y, voilà. Allez, allez. Même ça, ils savent pas faire. Voilà. Bon. Comme on dit, hein, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Là, même les missiles, je peux pas les avoir. Donc, ça, je suis totalement décontenancé par ce jeu. C'est dommage, on aurait aimé avancer. Vous savez, genre... on est dans un univers en 3D et tout, on peut se déplacer. Ça, c'est le futur. Et ce jeu est sorti en 2005. 2005, quoi. Imaginez le délire. 2005, ça faisait 5 ans que la PS2 était sortie. 10 ans que la PS1 était sortie. Et... Allez, vas-y. Putain, me dis pas que c'est toujours pas le game over. Où sont mes vies? Zéro. J'essaie même pas de faire semblant de jouer, quoi. Elle est challenge là. On va prendre ça. Allez, pan. Vas-y, là il y a un missile, mais. Pan. Là. Voilà, faut vraiment beau bouger. Hein. Si tu veux prendre le missile. Pan. Vilain. Voilà, vas-y, achève. Je pense que l'IA ici, elle tire à peu près où tu vas. Là, encore un là. Alors non, j'essaye pas d'attraper les missiles, c'est pas le jeu. On va juste en finir parce que je peux pas quitter le jeu. Allez, on tire gentiment dans mon robot. Allez, et mauvais. Oh là là. Allez les gars. Voilà. Oh, quel calvaire. Mon dieu, quel calvaire. Ça bourrine pas mal. Hein. Le jeu a l'air un peu fort. Je vais baisser un petit peu. Alors, non. Start mission, non. Alors ça, le coup du cockpit, c'était quand même pas ouf. J'espère qu'il n'y a qu'un jeu là-dessus. Ça a l'air. Donc le Ace, on a vu, c'est la même chose que le premier. Et EF-22. Oui. Allons voir ça. Allons voir cette merveille de... Ah, c'est bien ce que je disais, le EF-22. C'est le Jet Ace. Et le Jet Ace, c'est comme le War Drones et le... Je sais plus quoi. Et là, vous êtes, vous voyez, à bord d'un avion. Bon, c'est pas... Voilà, il bouge bien l'avion. Si je vous dis rien, je vous dis, regardez, c'est Ace Combat 4 sur PS1 ou 3.5. Voilà, on est en 2005, donc il y a zéro scénario. Hein. Et une fois, oh, casser le avion. Et en fait, tous les niveaux sont comme ça. Hein. C'est juste, vous changez la couleur du ciel, la couleur de la flotte. C'est réglé, il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments au sol, il n'y a rien, zéro, hein, cherchez pas. Alors, fuel. Wow. Raté. Alors, les missiles, on va essayer de les avoir. Non, je voulais des missiles. Bon, on va changer de mission. Donc là, ce jeu-là, la première fois où je l'ai testé, voilà, je vous ai dit, on change le ciel. Je suis pas persuadé complètement que quelqu'un saurait faire la différence avec un... Air Combat, quoi, enfin, vous voyez, hein. Prenez le premier ou n'importe quel Air Combat. C'est peut-être un peu fort le son. Bon, je sais pas, j'ai baissé un peu. Bon, voilà, ça ira. Cool. Vous pouvez pas faire grand chose de plus, hein. Il n'y a pas de tonneau, vous pouvez pas faire. Oh, j'ai pas vu venir celui-là, tiens. Voilà, donc ça, ils appellent ça EF-22 au dos de cette boîte-là, mais donc c'est un jeu Jet Ace que j'avais trouvé en brocante, tout simplement. Voilà, je crois. Oui, il me semble si j'avais dû le trouver en brocante, parce que j'avais. Wow. Bon, si, allez, vas-y, qu'on en finisse. Donc vous n'avez pas le choix des avions, vous n'avez pas le choix de... Y'a rien. Allez, mais... moi, si j'arrivais à faire un jeu comme ça aujourd'hui, bah, je serais super content, quoi. Hein. Mais c'est super dur à faire un jeu. Oh, bim. Voilà. Et je suis mouru. Donc... Ah, je sens votre déception. Nous arrivons bientôt à la fin de cette petite démo. Bon, je voulais quand même tester le jeu, hein, j'y avais jamais joué. Il y avait surtout le jeu avec le cowboy où on tire. C'est pour tester. Et Air Rescue. Air Rescue, Air Rescue. Si c'est un truc dans le cockpit, je coupe le truc. Alors... Air Rescue, celui-ci serait bien sorti aussi tout seul. Je me demande si ce serait pas Flying Squadron. Et qui est pas donné celui-là. Hein. Pas si c'est ça, mais... Mais quel est ce jeu? C'est très impressionnant. On n'a jamais vu un jeu comme ça. Oh là là! Oh, la sirène, elle a changé. Je tire des boulettes jaunes. Ah. Je dois aller chercher des missiles dans un rond qui s'appelle missile. Oh. Bon, bah voilà. Ouais, je peux faire pause. C'était donc le jeu Shoot. Le jeu Shoot. Si vous croisez ce jeu-là, qu'il soit sous blister ou pas sous blister, ça change pas son contenu. C'est un petit jeu qui coûte que dalle, hein, normalement. Et j'avais quand même envie de démarrer voilà, le jeu. Je trouve quand même des excuses à chaque fois que je teste un jeu, aussi mauvais soit-il. Hein, puisque comme je disais, si moi j'arrivais à créer un jeu comme ça aujourd'hui, eh ben, j'en serais super fier, parce que c'est pas simple de créer un jeu. Mais on va dire que la sortie en 2005, on attend un peu plus de la part d'un professionnel du jeu vidéo. C'était donc Shoot. Voilà, Shoot, je vous remonte cette jolie jaquette. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et puis, si vous aussi, vous avez été traumatisé par ce Shoot quand vous étiez plus jeune, dans votre enfance peut-être, que c'est un cadeau empoisonné qu'on vous a fait, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, en attendant, je viens. Salut!